bonsoir à tous. Bienvenue, donc, Laurence Dufort le disait à l'instant, à cette quatrième petite leçon de ville. Les cinq petites leçons de ville de cette année sont consacrées, vous le savez maintenant, à l'architecture de nos équipements publics. Et il y en a peut-être une qui était plus attendue que les autres, c'est la leçon d'aujourd'hui, qui est consacrée donc à l'école municipale. Alors, plus que le musée, plus que le gymnase et plus que la piscine dont nous avons parlé également ici même, l'école, c'est l'équipement public par excellence. Celui qu'on a tous connu dans notre enfance, celui que l'on continue de fréquenter dès lors que ce sont nos enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Et l'équipement public qui, plus que n'importe quel autre, représente notre société. Et c'est vrai qu'avec plus de 50 000 établissements à travers la France, c'est aussi un bâtiment qui influe directement sur la forme de nos villes. Et là encore, c'est une question d'image. Je vous présente Marie-Claude Derouet-Besson, la première à prendre la parole. Vous êtes sociologue, particulièrement intéressée par l'école et l'architecture. Autant dire que vous avez toute votre place ce soir parmi nous. Vous travaillez notamment sur l'enseignement de l'architecture et aussi, à l'inverse, sur l'architecture de l'enseignement. Je crois qu'il y a un petit peu les deux facettes de ce que j'ai pu voir de votre bibliographie. L'école municipale, pour vous, c'est un lieu qui réunit différents types de projets. Vous allez nous le montrer autour de deux enjeux. D'abord, la distinction entre l'extérieur d'un bâtiment scolaire, le projet d'architecture, et l'aménagement intérieur d'une école qui, lui, répond plutôt à un projet pédagogique, à un projet politique. Et puis, dans un second temps, les dispositifs, les innovations qui participent à la réussite des élèves. Alors, Marie-Claude Derouet-Besson, qu'est-ce que c'est que cette histoire de projet, tous ces projets qui se chevauchent ? Je crois qu'il y en a énormément des projets qui se croisent à l'école, en particulier parce que, et ils sont tous imbriqués en plus, d'abord parce qu'il y a un projet architectural qui date évidemment du moment où le bâtiment a été construit, mais il y a surtout et fondamentalement un projet social et politique. C'est le projet de former une génération future et d'arriver à amener les petits et moyens et grands enfants jusqu'à l'état d'adulte et de citoyen, bien entendu. Et tout cela se traduit, ce projet social et politique se traduit par l'organisation de l'institution scolaire qui va rajouter un certain nombre d'éléments. Elle va définir, par exemple, les objectifs. Qui accueille-t-on à l'école? Pourquoi y faire? Pour quel type de connaissances à y acquérir? Elle va, cette institution aussi, recruter et gérer des personnels. Et ces personnels, ils vont avoir obligatoirement un projet professionnel, puisque c'est leur lieu de travail, l'école. Et puis, elle va aussi, cette institution, définir le programme de l'architecte qui va être chargé, à un moment donné, de construire ou de rénover ou de réhabiliter ou de transformer les bâtiments. Et puis, projet essentiel, le projet personnel de tous les élèves et, bien entendu, de leur famille, voire même de façon un peu plus large peut-être aujourd'hui, puisqu'on parle aussi de communauté. Donc, il faut voir tous ces ensembles. Et j'insiste sur le fait que, finalement, tous ces projets, non seulement ils sont emmêlés, mais ils sont tous présents en même temps, même les plus vieux, qui finissent par se réimposer et par réintervenir de temps en temps. Alors, bien entendu, il est hors de question d'aborder tout cela. J'ai choisi de tirer un petit fil qui est celui de la rencontre, justement, comme le disait David, entre les projets architecturaux et puis les projets pédagogiques et éducatifs. Une rencontre, c'est parfois aussi une confrontation, ça n'est pas si souple et simple tout le temps. Et justement, je voudrais commencer par cette distinction tout à fait majeure à mes yeux, qui est la distinction entre l'enveloppe architecturale et les dispositions intérieures. Et puis, j'insisterai ensuite sur, finalement, la force
en ce qui concerne les dispositions spatiales intérieures, des innovations liées aux pratiques des usagers, en partie des enseignants, mais pas seulement, des pratiques donc pédagogiques et éducatives, pour terminer par un petit éloge de l'éphémère, ce qui fera bien sûr réagir l'architecte, mais ça c'est prévu et c'est normal. Alors, la distinction d'abord entre l'enveloppe et puis les dispositions intérieures. Alors, je voudrais d'abord insister sur le fait que toutes les implantations, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, tous les styles, tous les matériaux, toutes les techniques sont toujours contemporains de la construction, mais comme la durabilité des choses et des briques, du béton, etc., est infiniment plus grande que celle d'une vie, et en particulier d'une vie d'élève ou même d'une vie d'enseignant, c'est effectivement essentiel. Et je voudrais dire que cette nature de l'implantation des styles, des matériaux et des techniques, ça remonte à très longtemps. Je vous ai fait un petit clin d'œil en mettant l'abbaye de Saint-Gall. Vous voyez l'école, elle est en gris. Elle est bien intégrée dans un ensemble. Elle fait bien partie l'abbaye. Et elle est, comme pour tout ce qui est arrivé ensuite, en particulier, si je prends maintenant des choses qui nous sont beaucoup plus contemporaines, elle répond bien à une implantation qui est toujours absolument contemporaine et qui répond à l'état de la ville au moment où elle est construite. Et en particulier, sur ces photos, on voit très bien qu'il s'agit de constructions en bordure d'îlots, avec des façades sur rue très importantes, qu'on retrouve ça aussi dans nos petites écoles familières à Paris. Et ces organisations dans les plans de cette époque, elles sont tout à fait caractéristiques, encore une fois, du moment où l'architecte les a conçues. Alors, néanmoins, il y a assez vite, parce que les bâtiments scolaires sont des bâtiments absolument comme tous les autres et qui répondent, qui entrent totalement dans l'évolution de l'architecture, elles ont, ces constructions scolaires, été bien sûr marquées par l'architecture moderne et la grande révolution qui a consisté. Alors, c'est un résumé au-delà de l'acceptable hein, pour l'architecte, mais qui a quand même une caractéristique très importante pour l'école, qui est de quitter la bordure de rue et de mettre le bâtiment à l'intérieur de sa parcelle. C'est un des éléments. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un des éléments. Pour l'école, il est très important parce qu'on voit que l'école donc, quitte le bord de la rue et donc le regard des autres sur le contenu de l'école devient impossible. Vous voyez que là, l'école, elle n'a rien demandé. Hein. Elle est totalement passive, là. Il ne s'agit pas du tout d'une évolution pédagogique où on veut faire entrer le regard du quartier. Pas du tout, hein. Ce sont les évolutions architecturales qui conduisent à cette transformation. Alors, cette rupture, elle est très nette, là, sur le bâtiment qui est maintenant là, perpendiculaire à la rue, mais elle concerne aussi tous les autres aspects. Les matériaux sont ceux du moment, le béton, évidemment, Le Corbusier, sa petite école sur le dessus de la cité radieuse. Tout cela, encore une fois, c'est totalement lié à une évolution qui est extérieure à celle de l'école, hein, qui concerne l'évolution générale de l'architecture, de ses techniques, etc. Cela dit, l'institution n'est jamais loin. On voit bien que l'institution, elle finit par intégrer, hein, elle est toujours très, très friande de modèles. Et finalement, elle intègre des façons différentes de construire dans les modèles qu'elle institue, qu'elle recommande. Et
bien évidemment, les techniques aussi suivent la construction industrialisée, les modèles constructifs. Tout cela a eu une importance tout à fait considérable, de la même façon que on a des projets qui tiennent compte, qui font éclater, encore une fois, le volume. Là, on voit bien qu'on a renoncé à la barre, qui a été pendant longtemps un mode de modèle de construction scolaire et qu'on est largement loin. Et puis, l'histoire continue, et je vous ai mis là des écoles tout à fait récentes, parce que le postmodernisme, eh ben, ça existe aussi à l'école, et puis il y a aussi beaucoup d'autres éléments. Donc, tout cela... C'est l'ensemble des caractéristiques qui concernent encore une fois l'enveloppe. Mais je voudrais m'intéresser maintenant à l'intérieur, dans la mesure où les dispositions intérieures, et je voudrais rappeler que ces dispositions intérieures, elles n'ont jamais été... systématiquement les mêmes tout au long du temps. Et je voudrais faire une toute petite parenthèse historique pour rappeler que la salle de classe, qui nous paraît une évidence absolue, n'est pas quelque chose qui a existé de tout temps. Hein, d'abord, et pendant très longtemps, il y a eu ce que l'on a appelé l'enseignement individuel, c'est-à-dire que l'élève est face au maître pendant un moment... et on fait passer sa leçon à chaque fois. Bon, et vous voyez que là, la salle dans laquelle se déroule l'école, que je n'appelle pas forcément une salle de classe, eh ben on voit le lit du maître, l'armoire du maître. En fait, c'est la maison du maître. Mais il y a un moment très important, et c'est là qu'apparaît en effet la salle de classe, c'est quand on invente l'enseignement simultané. Et l'enseignement simultané est le pur produit de la contre-réforme, c'est-à-dire du moment où les jésuites en particulier décident qu'il faut absolument reprendre en main cette population qui est tentée par une lecture hérétique de la Bible et qu'il faut les remettre dans le droit chemin. Et c'est eux qui inventent un rapport que l'on a à l'élève, qu'on appelle l'enseignement simultané, qui est celui d'avoir un lieu, une salle de classe, un temps hein, qui se déroule dans cette salle de classe, sous l'œil d'un maître que l'on doit voir et que l'on doit entendre. C'est le cours magistral, c'est l'enseignement simultané, et c'est là que naît la salle de classe. Il est face à un groupe d'élèves, ce maître, et ce groupe d'élèves a pu varier, mais en gros, l'idée hein, d'un temps, un lieu, un maître, un regard, et tout le monde fait la même chose, ça, c'est l'enseignement simultané. Et on verra que ce lien entre le temps et l'espace, il est aussi important que le lien entre les pratiques pédagogiques à l'intérieur de la salle de classe. Alors... il y a aussi une troisième forme qu'on oublie assez souvent au XIXe siècle, qui est l'enseignement mutuel. Hein, et là, il s'agissait aussi, et ça c'est plutôt une invention des Anglais aux colonies, ils voulaient absolument former beaucoup de gens en même temps, donc on met 200 à 300 élèves dans une grande halle tout à fait différente de ce qu'on pouvait imaginer, avec donc, encore une fois, une forme et des modes de rapport avec les élèves qui sont encore très différents. Donc vous voyez, cette salle de classe qui est si présente maintenant, en fait, elle dépend bien de la façon dont on a géré le rapport au maître. Et c'est bien le rapport au maître, le rapport entre l'élève et le maître, qui est très important dans les dispositions intérieures de l'école. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, l'enseignement simultané l'a emporté ? Ben, y a plein de raisons, mais en tous les cas, vers 1830, là, cette petite maison qui abrite une école, celle de M. Tessier, nous dit-on, on ne sait pas quel type d'organisation spatiale il y a à l'intérieur.
C'est-à-dire que ça peut être de l'enseignement individuel, c'est tout à fait possible, ça peut être de l'enseignement mutuel, c'est tout à fait possible, ça peut être de l'enseignement simultané, on ne sait pas. C'est fini, ça, maintenant nous savons, mais en tous les cas, nous savons parce que l'institution est arrivée et le projet politique est arrivé et il a été extrêmement puissant. Et il est celui des orléanistes qui, sous la monarchie de Juillet, en avaient assez de voir les légitimistes dominer l'instruction. Et donc, il fallait que ça change, puisque tout de même, il y avait la possibilité de voter un peu. Donc, je trouve que les liens entre politique, école, etc., sont extrêmement importants. Et là, la loi Guizot, elle est fondamentale. C'est là que naît l'école municipale. Hein ? L'école municipale, une école par commune, c'est là qu'elle naît, et c'est là aussi que naissent l'idée qu'il faut généraliser une école que l'on contrôle avec des maîtres que l'on forme correctement sur l'ensemble du territoire français. Et pour être sûr que ça marche, c'est le moment où on invente le financement public pour toutes ces écoles. Et ce lien entre l'État et l'argent qui permet de construire l'école, il est extrêmement important, et c'est de là qu'il date, hein, de la monarchie de Juillet. Alors, après, bien sûr, Jules Ferry continue et amplifie et peaufine. Là, l'enseignement simultané, il a triomphé, hein. Dans les modèles de Guizot, il s'agit bien d'une salle de classe avec des élèves, ce que va reprendre ensuite Jules Ferry. Mais Jules Ferry va beaucoup plus loin dans le projet institutionnel et politique. Non seulement l'école est gratuite, obligatoire, laïque, mais aussi il s'intéresse au contenu. Et si ma diapo n'était pas aussi petite et que vous puissiez lire les circulaires de Jules Ferry, vous verriez qu'il s'intéresse autant au contenu qu'au lieu, et qu'il y fait entrer, bien sûr, des dispositions qui concernent l'hygiène, puisque c'est l'époque où ça commence à devenir extrêmement important, et on fait aussi très attention à cela. Donc, c'est clair, la salle de classe a triomphé. Autour, vous le voyez, à la fin de multiples modifications et hésitations, mais à la fin du 19e siècle, c'est fait, c'est l'école, c'est la salle de classe qui a triomphé et l'enseignement simultané. Et je reviens un petit clin d'œil quand même sur le rapport entre extérieur et intérieur. Carlu, à la fin des années 50, projette un lycée à Libourne. Vous savez, Carlu, c'est l'architecte du Palais de Chaillot. Hein, il aime beaucoup les courbes. Il ne renonce pas à sa courbe, hein, pas question. Le geste architectural, pour lui, a un sens, mais regardez bien la forme des classes. Il n'ose pas y toucher, bien sûr. Elles sont sacrées, ces classes. Mais vous voyez qu'il a fait, en quelque sorte, se courber l'une des faces de cette salle de classe. Alors, c'est un clin d'œil parce que les murs restent. Le lycée de Carlu, il est toujours en activité, et les élèves, pas plus que les profs d'ailleurs, ne se plaignent de ça. Ils ont beaucoup d'autres éléments à s'occuper. C'est pas ça qui les préoccupe majoritairement. Mais donc, ce qui est à la fin de ce premier ensemble, ce que je veux dire, c'est que les murs restent, mais le temps passe. Et il va de soi que les pratiques pédagogiques et éducatives évoluent, qu'elles se transforment, parce que les objectifs changent. Et la démocratisation, en particulier, est intervenue de façon massive. Mais je voudrais, en quelques mots, résumer que la grande question pour ceux qui sont à l'intérieur, alors que tout a changé, les pratiques, les objectifs, etc., ceux qui sont à l'intérieur, leur grande question, c'est toujours, et c'est bien le projet de fond qui s'imbrique avec tous les autres, comment faire réussir les élèves, parce que c'est bien ça qui est le plus important. Donc les fameuses innovations dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà, absolument.
Et je voulais juste un instant revenir sur la façon dont les objectifs ont changé, dans la mesure où on se rend pas finalement tellement compte. Je vois une. Alors, je vous ai mis là, je ne vais pas les détailler toutes, les grands textes de loi qui me paraissent importants, mais il y a une sorte de grande courbe dans l'évolution des objectifs de l'école, avec une forme d'une volonté qui s'affiche terriblement de Guizot 1833 jusqu'à René Haby en 1975. Effective en 77, c'est de généraliser, d'homogénéiser, parfois même de standardiser en ce qui concerne Haby, alors qu'ensuite, face aux évolutions et en particulier au choc de la massification, on a quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus de diversifier les pratiques vis-à-vis des élèves, d'individualiser, de socialiser les élèves, et on peut avoir l'impression qu'on est passé d'un impératif d'instruction plus à un impératif d'éducation et de socialisation, avec aussi une évolution des connaissances. Alors, comment est-ce que s'est fait cet ajustement entre des pratiques et puis les murs, qui sont quand même pas aussi rigides que ça, hein. Mais tout de même, les innovations spatiales, ça a d'abord été, et ça ce sont vraiment des créations d'enseignants, ça a d'abord été des ajouts. On a commencé par ajouter des salles de motricité. Là, c'est un hall, vous voyez, on s'est installé comme on a pu, hein, qui a été transformé en salle de motricité. On a installé des bibliothèques, centres de documentation. Souvent, on a transformé une classe pour ça, une salle de classe. Puis, on a ajouté de l'informatique, là aussi. Des fois, on a piqué une salle, des fois, on a bien de choses. Bon. Et puis, on se pose des tas de questions. Est-ce qu'elle est bien dans une salle d'informatique? Est-ce qu'il ne faut pas maintenant la mettre ailleurs, etc. Puis, on a créé très souvent des salles, je dirais, de projets culturels. Parce qu'on n'arrête pas de sortir de sa salle de classe pour faire des choses qui demandent un peu plus de place, etc. Et donc, ça a commencé aussi par des ajouts qui correspondent souvent à l'arrivée dans l'école de personnels différents, de personnels nouveaux, hein, qui viennent s'adapter, ou pas d'ailleurs, des fois, ça dépend, aux pratiques pédagogiques des maîtres et des instituteurs, puis des professeurs des écoles. Alors, ces changements, ces ajouts, c'est pas la totalité des choses. Il y a aussi, bien sûr, et ça depuis plus longtemps, je dirais que l'entre-deux-guerres en particulier a été un grand moment et avant, mais bon, en gros, celle qui marque beaucoup, je dirais que dans l'entre-deux-guerres, le changement de rapport à l'élève, en particulier dans la façon de le former, l'envie qu'il soit autonome, qu'il sache mieux parler, mieux s'intégrer à travers, par exemple, la pédagogie de projet ou les méthodes actives, tout ça, ça a conduit à des modifications interne à la salle de classe. Mais là, je vous ai mis un exemple de ce que je considère tout de même comme un apport lointain, mais très vrai de Célestin Freinet, c'est-à-dire la multiplication des ateliers, des activités dans la salle de classe, qui conduit à avoir totalement abandonné les rangées autrefois habituelles, qui ont totalement disparu dans quand même beaucoup d'écoles maternelles et primaires et élémentaires aujourd'hui. Et je dirais que on a alors les nouvelles technologies aussi, qui ont à nouveau transformé, par l'introduction de l'ordinateur aussi bien pour l'élève que pour le maître, les choses. J'ai mis un TBI, je suis sûre que monsieur Larry en parlera tout à l'heure. Mais je crois que la question qu'on peut se poser, c'est vraiment de savoir où on en est maintenant de l'enseignement simultané, où tout le monde fait la même chose en même temps, par rapport à une simultanéité des activités qui me semble être tout à fait répandue maintenant. Alors,
cette simultanéité des activités, on est loin finalement de l'enseignement simultané, et pourtant c'est l'usage des murs et des dispositions intérieures qui a changé, évidemment, pas le reste. Et par exemple, on a, de la même façon qu'il y a des petits ateliers, ben dans les salles de classe, maintenant, il faut des espaces de regroupement où on n'est pas du tout sur des tas, mais on est tous les uns à côté des autres en train de pratiquer une activité. Alors, il y a tout de même, pour expliquer ce lien entre la pédagogie et la façon de voir les élèves et puis les rapports à l'espace, je voudrais, puisque c'est Saint-Méry dont on parle, analyser un tout petit peu plus une innovation spatiale. Il y en a des dizaines d'innovations spatiales, on pourra en reparler après si on a le temps, mais il y a une qui me paraît extrêmement intéressante, qui est celle de l'ère ouverte. Pas de l'école ouverte, on est d'accord, l'ère ouverte, même s'il y a beaucoup de liens entre l'école ouverte et l'ère ouverte. C'est dans les années 50, des instituteurs anglais qui sont dans des salles traditionnelles du cours magistral. Vous les voyez, alors je ne sais pas si je sais me servir de... Non, je ne vais jamais arriver à être... Je ne suis pas dans l'axe, bon, peu importe. En haut à gauche, vous avez les classes traditionnelles qui sont avec des rangées. Et aussi, si vous regardez bien, il y a des gradins. Hein. Donc, on ne peut pas... Les tables et les chaises quasiment sont... Et les bancs sont vissés. On ne peut rien changer. Alors ça, ce n'est pas possible. Les instituteurs ne peuvent pas. Et ils demandent à ce qu'on leur enlève les gradins. Bien évidemment, dès que les gradins sont enlevés, ils constituent au début une classe ordinaire telle que celle que nous avons vue. Mais très vite, ils ont envie, et c'est la deuxième image à gauche, celle du milieu, où ils ont envie de regrouper leurs élèves pour leur faire faire des travaux de groupe, etc. Et puis, très vite, ils se rendent compte que les projets prennent de l'ampleur, etc. Vous voyez que le bureau est rejeté dans un coin, et que cette multiplicité des activités à l'intérieur les conduit, par exemple, en particulier pour tout ce qui est un peu physique et bruyant, font beaucoup de bricolage, de choses de ce genre, ça fait du bruit, Alors, ils installent une partie de leurs élèves dans le couloir. Et cette installation dans le couloir crée des interactions qui n'étaient pas prévues avec des élèves plus grands, avec des autres maîtres, et ça leur donne l'idée, finalement, que certes, la cloison avec le couloir, c'est pas commode, donc on pourrait enlever la cloison avec le couloir, et puis ensuite, on pourrait réunir plusieurs salles de classe pour faire un grand espace où les maîtres interviendraient à plusieurs auprès d'élèves dont la spécificité de constitution du groupe n'est pas forcément le même âge, mais peut-être des activités communes, un projet commun, etc. Alors, ça a super bien marché dans l'Angleterre des années 60. Ça a tellement bien marché qu'évidemment, l'institution s'en est saisie. Même si ce n'est pas la même institution que chez nous, ça a beaucoup plu et ça a essaimé dans l'ensemble du monde anglo-saxon. En Australie, à ce moment-là, c'est une grande phase de construction scolaire. On construit des écoles à air ouvert partout et les profs sont désarmés devant un projet pédagogique qu'ils ne connaissent pas. Ils ont des lieux qui ne correspondent pas à leur projet pédagogique. Juste pour souligner que le lien est extraordinairement puissant entre la façon dont les choses sont organisées et la pratique pédagogique cohérente. Alors, juste pour vous dire ce que ça a montré, nous avons un exemple qui est Saint-Méry, il y en a très peu en France, je vous ai pris, bon, et on voit bien qu'on peut circuler d'espace en espace, mais on voit aussi que, alors je pense qu'il y a des gens qui en parleront tout à l'heure, hein, je ne connais pas, je n'y suis pas allée, etc., mais simplement en voyant les photos, je vois qu'il y a par exemple un traitement des sols qui montre qu'il y a des espaces qu'on a aménagé la façon de se déplacer, qu'on a organisé les meubles, etc., de façon tout à fait particulière. Donc, encore une fois, le lien est extrêmement puissant entre le projet pédagogique et la façon dont on mène l'espace autour de soi. Et quand on met des profs
et des élèves dans des lieux qui ne correspondent pas un peu à ce qu'ils ont envie de faire, ça ne marche pas forcément. Ça peut marcher, hein, attention. Il y en a qui se sont, en Australie, très bien appropriés les choses, etc. Mais bon, en plus, ça pose d'épouvantables problèmes d'acoustique. Alors, je voudrais terminer, faire un éloge de l'éphémère, parce que j'arrête pas de vous dire qu'à la fois les murs ne bougent pas, mais qu'on fait des tas de choses différentes dedans. Donc à un moment, on se pose, est-ce que vraiment la question de savoir quelle est la nature du mur, est-ce qu'il faut absolument qu'il soit là tout le temps, etc. Alors, on voudrait des murs qui s'adaptent. Alors, on a inventé les murs qui se déplacent, etc. Bon, mais et honnêtement, hein, les murs qui se déplacent, M. Blanquer, là, au mois de juin, qui demande qu'on divise des salles en deux, ça montre bien que les choses ne cessent d'évoluer, de bouger, bon, et que l'institution a toujours son mot à dire. N'oubliez pas, la réforme Abi, juré, craché, jamais plus de 24 élèves par classe dans un collège. Ils sont maintenant 31, 32, très souvent dans des salles de classe prévues pour les 24, parce que l'archi, il a accepté, bien entendu, la commande qu'on lui a faite. Je voudrais juste que vous regardiez cette photo. Tout a été intuitivement organisé par le maître pour qu'il puisse d'une main montrer, tout en regardant tous ses élèves, etc. C'est extraordinairement chiadé, je dirais, comme espace, hein, ça. C'est extraordinairement pensé, précis, etc. Donc, si les enseignants sont capables d'avoir comme ça un aménagement extrêmement précis, il faut se rendre compte que tous n'ont pas le même, que la liberté pédagogique, ça existe, que ce prof-là, il a fait ça comme ça, mais que les autres ne font pas, même s'il y a des constantes, comme les espaces de regroupement, les éclatements, etc., c'est pas toujours la même chose. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver de la place pour des projets éducatifs qui sont variés et qui sont bien sûr éphémères, où la liberté pédagogique des enseignants puisse s'exprimer totalement, où on puisse aussi arriver à vivre ensemble dans des espaces qui sont parfois restreints, où il y a beaucoup de problèmes, en particulier acoustiques, qui se posent constamment, mais où fondamentalement on n'a pas assez de place, et je pense qu'à Paris c'est encore plus vrai qu'ailleurs, à cause du poids du foncier, et que, en gros, j'ai envie, et je pense que maintenant nous sommes tous capables de faire ça, de penser les choses davantage en amont. Alors, j'ai mis des photos de chantier, simplement parce que je crois que il y a dans l'école des choses qui relèvent pour l'architecte du gros œuvre, qui sont, je dirais, séculaires, et puis d'autres choses, puisqu'on vit encore dans les écoles de Jules Ferry, hein, et il y a des tas d'autres choses qui relèvent de toutes de tous les aménagements intérieurs, je ne sais pas si on peut employer le terme de seconde œuvre, mais peut-être, qui doivent être plus adaptables et en tous les cas plus facilement modifiables. Je pense que les archives maintenant ont un certain nombre d'éléments, de matériaux, etc., qui permettent d'arriver à cela, mais on en reparlera bien sûr éventuellement. Alors, au total et en conclusion, je crois que, d'après ce que je vous ai dit, vous voyez combien gérer l'éphémère est quelque chose d'extrêmement difficile face à la fois à la durabilité des bâtiments et à la fugacité des usages. Et je voudrais dire que la responsabilité des élus, puisque nous sommes dans une démocratie représentative, où nous avons, en tant que citoyens, dévolu aux élus la responsabilité de la gestion de ces écoles, et M. Alaribe là va tout nous dire là-dessus. Je veux dire que la responsabilité des élus et de leur administration est forte, mais en même temps le poids qui pèse sur eux est absolument colossal, si on y réfléchit. Il y a tout ce qui concerne, d'abord, puisqu'on a parlé de l'implantation, le poids du foncier, des règles d'urbanisme, le respect de la mise aux normes. Il y a tout le temps le petit bouton électrique, l'adaptabilité au handicap. Il faut baisser tous les boutons électriques pour que ceci, pour que cela, etc. Il faut... Ben oui, hein, vous ne faites pas ça tout le temps.
Hein, voilà. Trop souvent. Bon, et c'est en même temps très important, parce qu'il y a bien évidemment toutes les exigences sécuritaires. Il ne faut pas que les gosses ils puissent mettre leurs doigts dans les prises électriques, ce qu'ils font de temps en temps quand même. Il y a toutes les exigences, encore une fois, acoustiques, mais aussi esthétiques, parce que l'archi, il faut qu'il nous fasse quelque chose de beau, hein, pour qu'on s'y sente bien. Parce que le bien-être, ça reste quelque chose d'absolument évident, essentiel. C'est un projet fondamental. Dès qu'on entre quelque part, on a envie d'être bien. Et quand on rentre à l'école, ben c'est pareil. Hein. Et puis, il y a évidemment toutes les questions budgétaires qui sont extraordinairement présentes. Et en tant que contribuables, nous y sommes tous fort attachés. Et il y a en plus cette incertitude de fond face à ces usages qui ne cessent de se modifier, de se transformer et de changer, et nous avec. Donc, vous voyez que l'école, c'est bien le point de rencontre de tous ces projets, à l'échelle de la ville, à l'échelle du pays, etc. Mais je crois qu'on a quand même une petite aide à apporter à la fois aux architectes et aux gestionnaires, c'est d'encourager le CAUE et l'ensemble des gens qui peuvent pratiquer cette sensibilisation des usagers à la dimension spatiale. Il n'est pas du tout évident pour un usager de participer, puisque la participation est quelque chose d'extrêmement important. Le dialogue, aussi bien avec l'architecte qu'avec l'administration, c'est des choses fondamentales. Quand ils ont été sensibilisés au fait, par exemple, que l'espace est toujours partagé, par idiot comme ça, il est toujours partagé. On n'est jamais tout seul. Hein, l'espace est toujours partagé, et ça veut dire que tous les gens que nous croisons dans l'espace, qui s'en servent aussi, ont des projets différents du nôtre, et que nous ne pouvons pas participer à une définition d'équipement collectif sans réfléchir au fait que les autres ont aussi des projets, qu'ils y sont très attachés, et que c'est aussi important que le nôtre et notre bien-être personnel. Merci beaucoup, Marie-Claude Desrouet-Besson.